Bonjour et bon dimanche. C'est le guide, Pépé, Bissog. Je fais cette vidéo ce matin pour toi, Samuel et ton fils. C'est une vidéo simple. C'est une vidéo claire, directe. Je fais cette vidéo parce que je dois la faire. Je suis ton grand frère. Je suis ton frère. Et je suis ton ami. Beaucoup d'amis en temps de victoire et peu d'amis en temps de crise et de défaite. Je suis un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui n'attend rien. Tu ne pourrais d'ailleurs pas m'employer. Mais tu as employé hier une technique de la psychologie de l'audace dans un pays où il est interdit de gagner, dans un pays où il est interdit de rêver, dans un pays où il faut détricoter toutes les valeurs pour que nous soyons rapetissés au niveau des plus petites personnes, même quand on a touché le firmament mondial et international. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur des gens. Mais il faudrait pas non plus qu'on passe comme si c'est banal. C'est Samuel Eto'o. Dans des pays d'où je viens, comme le Cameroun, des pays qu'on a injustement qualifiés de pauvres, où ne vivent que parfois des sous-hommes, qui n'ont ni accès à l'eau potable, ni à l'éducation, ni à la vaccination, sauf quand c'est un don de la colonie. Nous méritons quand même de célébrer des étoiles, les quelques rares étoiles qui défilent. C'est une petite poésie ce matin, Samuel Eto'o. Je sais que tu es debout, je sais que tu me suis, et je sais que même en cachette, ceux qui ne veulent pas que je te dise ça parce qu'ils sont autour de toi, savent que tu me suis et ils sont plus mal à l'aise, d'autant plus que tu me suis. Et vous êtes des milliers de personnes à me suivre ce matin parce que nous allons faire une réflexion sur cette victoire dans un pays qu'on dit fermé à toute idée de révolution, à toute victoire. Ça fait longtemps qu'on ne célèbre plus les victoires chez nous. Et d'ailleurs, j'avais une grand-mère qui disait souvent, faisons aussi la fête ce matin. On a déjà eu trop de pleurs, trop de deuil. Et elle s'inventait elle-même une fête, surtout les dimanches, en faisant une bonne cuisine pour tout le monde, en essayant de donner le sourire, de faire jouer les pygmées pour que le tam-tam sonne. Il faut de temps en temps juste ne pas réfléchir et apprécier ce qui est beau. Bravo, Samuel. J'aurais pu prendre la parole hier, mais j'ai laissé aussi que les autres s'expriment. Il faut que les gens expriment leur souffrance, leur frustration, leur misère, même si tu as gagné. C'est ça être champion. Un leader, c'est celui qui est contesté même quand il fait bien. Un leader, c'est celui qui est contesté quand il ne fait pas bien. Donc un leader est celui qui doit faire. Il faut faire du bien. Alors, ta victoire est un marqueur résolument d'un Cameroun des possibles, d'une Afrique, de la jeunesse aussi qui ose, qui se dégage des dogmes et des pensées limitantes. C'est le but de mes enseignements. Ta victoire est un accélérateur déterminant de la libération des énergies de succès et d'audace. Tu as fait mentir des gens qui croient qu'il y a une psychologie des contraires. Une psychologie de la victoire est impossible. J'avais d'ailleurs un oncle à ce titre, mon oncle Thierry, qui est vivant. Tout ce qu'on venait lui dire à propos de moi, il disait c'est impossible, c'est pas vrai. Il était donc dans cette maladie. Il était dans ce déni. Il était dans
l'examen de la psychanalyse des impossibles. Se dire que c'est pas possible. Parce qu'on refuse. Et le peuple camerounais, le peuple africain a oublié qu'il est dans la possibilité de se donner un destin. C'est pas trop philosophique quand même. J'avais un oncle, tout ce qu'on venait lui dire de moi, il disait c'est pas vrai. En RCP, c'est pas vrai. En RBPC, c'est pas vrai. En RBAC, c'est pas vrai. En R licence, c'est pas vrai. À Yembenge, c'est pas vrai. Juste parce que c'est lui qui avait un problème, c'est pas moi. Donc c'est pas ce que vous pensez qui fait avancer l'autre. Avec ou sans vous, vous devez avancer. Alors Samuel Eto'o, c'est qui? Parce que le monde entier nous suit. Je ne connais pas personnellement sa famille. J'ai vu maman, papa de temps en temps comme ça. Mais c'est des gens même pas pauvres. Parce que c'est très facile. Dans une vidéo de présentation, j'avais dit ici Samuel Eto'o, un gars de la balle qui vient de New Bell. New Bell, c'est un peu le Bronx aux États-Unis. New Bell, c'est un peu Bondy, hein. C'est quoi? Bondy, c'est la Courneuve ici en France, une banlieue la plus chaude. On peut comparer New Bell à rien. Il y a tellement de génies et la dureté de la vie n'a fabriqué que des génies dans ce quartier populaire, comme il y en a dans nos bidonvilles. Alors, mais Samuel Eto'o, son père, est un travailleur, un fonctionnaire à la régie. C'est le must, c'est la SNCF des nègres. À l'époque, on a le droit de voyager, on a un 13e mois, il y a une protection sociale. Et donc, son père et sa mère font une belle famille de frères et d'enfants qu'ils élèvent tant bien que mal. À Yaoundé, Vogada, bon, bref. Et puis à New Bell. Mais ce qui me touche avec Samuel, là où notre histoire commence, et c'est pour ça que, regardez-moi, je suis pas vieux. Imaginez donc que pendant tout le règne de Samuel Eto'o, je dis règne dans le domaine du football, parce que c'est le plus grand footballeur du monde, avec quelques-uns, il ne me revient pas de citer les autres. Apprenez à citer vos champions, vos dieux, vos ancêtres, vos rois. Célébrez-vous vous-même. Le nègre est toujours en train d'apprécier. Vous connaissez le genre de famille où on n'apprécie que les enfants des autres. Dans le déni, parce que chez nous, bon, nous, on mérite pas. Donc, Eto'o est le plus grand joueur du monde, à côté d'eux. Complétez, si vous voulez. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon histoire avec Samuel commence quand je suis au lycée en terminale, milieu des années 95, et le jeune Samuel Eto'o, je dis le jeune, est en cinquième dans le lycée où je suis. Alors, je pense qu'il ne va pas me le démentir. C'était déjà le meilleur joueur en cinquième. J'ose croire qu'il était... J'étais déjà assez précoce, mais lui, il était encore plus. C'était un enfant. C'est qu'il avait 13 ans. Et il y avait ce qu'on appelait au Cameroun les jeux au sucre. C'est-à-dire des jeux de collège, des lycées, des établissements, inter-établissements. Et c'était dur, c'était pour les lycéens, des barbus, le terminal, première, seconde encore. Mais aller chercher un enfant de cinquième pour faire partie de l'équipe des barbus, c'était déjà des signes annonciateurs. Et nous, on a vécu ça. Le lycée, c'est le lycée Mongo à Douala. Et c'était déjà un génie. C'était un génie. C'était le meilleur joueur du tournoi. Et je l'avais déjà vu. Et après, à venir, deuxième division à même pas 15 ans, tout Douala parlait déjà de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que faut savoir qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision, mais le bruit des grands joueurs, le bruit du génie courait vite. Il y a eu cette même bande, Sati Betangane, Rigo Berson, Patrice Tchoufo, je ne sais pas s'il vit encore. Il y a une bande de jeunes qui ont écumé la scène internationale dès 90. Dès 90. Montaigu, il y avait un tournoi en France, le tournoi de Montaigu. Donc cette génération-là, on l'a vu grandir. Et nous sommes fiers de ce que ces enfants ont produit.
Il y avait une idéologie, une idée, la formation même dans le tas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'était la première étape. C'était pour parler de Samuel, à titre personnel, de l'enfance. Et Samuel, j'espère que vous partagez ce direct, est un champion. Les champions savent qu'ils sont champions. Il y a une programmatique de la victoire en eux. Et ça peut gêner. Vous savez, la presse aime aimer et détester et détruire et détricoter. Dans une seconde vie, j'ai été un journaliste de très haut vol, un éditorialiste de qualité supérieure, exceptionnel. Et les génies ont souvent la malchance d'être entourés des gens cancres. C'est-à-dire que le commun des mortels ne trouve pas supportable que quelqu'un se lève et dise « Je vais gagner la fécafoot ». On ne lui pardonne pas ça. On ne pardonne pas un génie de dire « Je serai champion d'Afrique, champion du monde, meilleur joueur ». Et c'est ça le drame. Quand vous avez un enfant génie à la maison, apprenez à accepter qu'il ait vu sa vie comme un grand sorcier qui a déjà vu sa vie. Maintenant, les récupérations politiques, je suis content, je suis pas content. Moi, je ne suis pas dans ces débats. Je fais une ode aujourd'hui à la victoire et à la vie. Célébrons nos victoires de temps en temps. Laissons un peu les calculs politiciens. Moi, je suis aigri. Ça m'énerve pas. Samuel Eto'o a fait ce qu'on appelle chez nous du lindon-don. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Ceux qui veulent distraire et faire comme si c'est pas une victoire, c'est ceux qui ont un problème avec eux-mêmes. Vous comprendrez pourquoi. Alors, donc quand le jeune Samuel est repéré par Kadji, Kaham Michel, le plus grand coach du Cameroun, Michel Kaham, qu'est-ce qu'il en a formé? Lui-même grand joueur, très grand joueur camerounais et professionnel. Je pense que Kaham a joué en France. À Cannes, ou je sais plus. Voilà nos étoiles. Voilà des gens qui vont chercher de la misère au quartier, de la boue, pour la transformer en or. Et ces gens-là, je pense à toi, Samuel, tu dois redonner de l'espoir à tous les formateurs. Un pays doit avoir les formateurs dans tous les domaines. Il faut donc commencer par la formation des formateurs. Et toute l'équipe qui t'entoure. Le Cameroun a des Léonard Nseke, des grands entraîneurs. Je pense à Maion Sonne, grand entraîneur aujourd'hui qui vit avec moins de 100 euros par mois. Champion olympique. Alors donc, le jeune Samuel Eto'o, je ne suis pas son biographe, encore que nos fautes, c'est que quand on est un peu dans la constellation, on n'écrit pas. C'est quand on va avoir l'Alzheimer ou vieux et fou, qu'on va vouloir se remémorer. Il faut écrire sur des génies, sur des légendes. C'est notre histoire, c'est la vôtre. J'aimerais tant écrire sur certains chefs d'État. Mais on écrit plutôt sur leur silence. Alors donc, Samuel arrive très précocement à Paris, grâce à Kadji, grâce à Kaham. Après, il vient faire un test en Europe, en France. Et ça, il ne pardonnera jamais à la France d'avoir été aveugle une fois de plus. La France, c'est un pays magique, c'est un pays de beauté, mais c'est un pays qui est fermé souvent par des contingences ethno-racistes, des choses inutiles là, qui empêchent au talent d'éclore. Eto'o a fait le test à Nantes. Il a été récalé devant les Bonaventure Kalou, devant tous ces gens qui avaient moins de talent que lui. Il est allé au Havre, on n'en a pas voulu. Il est venu à Paris, il a traîné dans toutes les banlieues. Heureusement qu'il y avait une cousine, une sœur, qui lui a offert 1 mètre carré de canapé pour qu'il dorme, mais il était démoralisé. Si vous êtes jeune et que vous m'écoutez ce matin, ne soyez jamais démoralisé. Eto'o ne vous le dira jamais, mais il a usé sa peau sur les canapés à Paris, à réfléchir, à vouloir se suicider. Et il s'est dit, je rentre au Cameroun, Gilbert Kadji, mon ami, lui a dit, reviens, jeune homme, viens faire tes armes ici. Il est reparti avant de revenir au Real. Vous connaissez le parcours. Bref, c'est le parcours d'un grand champion. Arrive au Real, il est frêle, il est jeune, il a 17 ans,
Il fait froid, il n'a personne, papa et maman sont restés au pays, mais il doit faire ses preuves dans le plus grand club du monde. Et les merengues ne lui donneront jamais sa chance parce qu'il y a ce système à ne pas bousculer. Il y a toujours cette porte qu'on vous ferme quand vous êtes le fils de rien. Mais le talent, Mallorca, meilleur buteur, et il écrase le Real de Madrid, aller-retour en championnat. On dit non, mais c'est notre joueur. Mais Mallorca dit non, c'est à nous. Et la légende Eto'o commence. Le reste est contemporain. Allez, dans les archives. Julien Dondon. On a connu des attaquants africains, un peu masseux, massifs, mais Eto'o est frêle. Il a 65 kilos. Pour 1,85 m. C'est le profil de l'attaquant type qui a une vélocité, qui a une vivacité, qui a la lecture du jeu et il entre bien dans le système du Barcelone, du Barça. Avec Messi, Ronaldinho, Eto'o, Deco, on atteint le summum de la beauté du football. C'est parce qu'il est comme ça qu'on lui a refusé le ballon d'or. Comme ça n'est pas un crime, mais pour certains, nous payons encore le prix. Nous en sommes victimes dans nos entreprises, dans les avions, même quand on est en business. C'est ça. Et vous comprendrez pourquoi je parle de racisme aujourd'hui, parce que Samuel en a été victime. À l'étranger, il a été victime de racisme. À l'intérieur, il a voulu être victime du tribalisme. Mais que le peuple est beau! Bravo à ce peuple qui sait dire non. Nous valons mieux que ça. Alors, donc Samuel Eto'o n'a pas commis l'erreur que commettent souvent beaucoup de ses pairs. Quand ils arrêtent de jouer, ils ont une période de répit, le repos, la réflexion. Après, ils basculent dans l'oubli. Eto'o a tout de suite voulu être actif. Bravo, champion. Il faut jamais laisser que les autres te dictent le calendrier. Comme ce matin, je me suis levé, j'ai fait mon sport, et j'ai dit, je parle à Samuel. C'est ma décision. Samuel a décidé de ne pas être un retraité. Il a passé un MBA. Donc il a travaillé le management. Les gens croient qu'on est idiot parce qu'on n'a pas eu les mêmes chances d'aller à Harvard. L'école, c'est à tout moment. Eto'o, comme Weah, Georges, un de ses modèles aussi, s'est inscrit à New York et à Lyon. Il a fini son MBA. Donc, ça lui donne les clés du management. Ce n'est plus l'Eto'o footballeur. Il a basculé, il est manager. Deuxième chose, Eto'o, pour gagner, a usé aussi de la bonne stratégie des contraires qui s'attirent. Il a pris des agents de communication qui sont mes jeunes frères, de deux côtés, et antagonistes même par leur vision, hein. Obama, c'est, voilà, le petit qui cherche sa soupe là-bas, vers le palais, ses acquaintances, le système, et puis Tanya qui regarde de son côté, il lorgne, et puis c'est, voilà, un peu plus, on va dire libre, mais bon. Il est quand même, il va pas vous le dire, mais c'est beau comme du fil noir sur un drap blanc. On sait pour qui il travaille. Donc, mais il a réussi à mettre ça d'abord annihiler les forces contraires, ses énergies très bouillantes sur les réseaux sociaux. Et toi, était d'une sagesse, d'une finesse. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà la vision. Il nous a présenté son programme, ce que les autres n'ont pas fait, dans une suffisance des fils à papa, dans une arrogance de ceux qui n'ont pas à se justifier. Pourquoi ce qui? Et tout est descendu. Il a rendu la communication populaire pour une élection qui est à huis clos, des délégués. Il est allé prendre l'assentiment de la population et du peuple, parce qu'il tient sa légitimité du peuple. Qu'il a fait jouir et vibrer avec tous les autres pendant si longtemps. Bravo Samuel Eto'o, Assaman, Kenner-Niveson. Vas-y. Je n'ai pas pu me prononcer avant, j'avais juste présenté les cartes, mais je savais que tu allais gagner.
Tu sais, nous on sait, on se comprend. Les gens qui ne doutent pas d'eux savent humer leur destin. Et c'est ça que je demande à la jeunesse africaine. Faites comme Samuel Eto'o. À Gwenge, il avait qui? Il a qui? Mais il a acquis un certain nombre de connaissances, un bagou qui lui permettent aujourd'hui d'aller sur le stade et de dire « je vais gagner ». L'histoire de Samuel Eto'o est écrite et connue. Il a 18 ans à peine, ou 19 ans, quand il va à la Coupe du Monde. Face à l'Italie, il est au banc de touche. Et il dit au coach, si tu me mets au banc, je vais me fâcher, coach. Si j'entre là, je suis le seul qui peut faire gagner ce Cameroun. Alors, on a parlé des Tofis. Avant de continuer maintenant sur les stratégies, comment il a gagné, je tiens d'abord à vous rappeler que Tofis a un seul modèle. C'est Roger Milla, le plus grand joueur de la planète. Roger Milla est Camerounais. Étoffis est Camerounais. Mais Étoffis est la version améliorée de Roger Milla. À l'époque où Milla a joué, où Milla était d'un charisme, d'un génie, mais où la presse était fermée, où les contrats n'étaient pas signés, où c'était du salaire de nègre, que ce soit à Valenciennes, Saint-Étienne, Bastia, Montpellier, Milla serait aujourd'hui milliardaire. S'il ne l'est pas, c'est parce que eux, c'était une époque où on jouait pour jouer. Et aller prendre ce génie-là pour le faire mettre au stade en titulaire, même pendant la Coupe de France face à Mitterrand, où il démontre qu'il est le meilleur joueur de France et d'Europe. J'ai fait ce détour, hein, cette contorsion, pour vous expliquer que, en réalité, ce qui est gênant au Cameroun, c'est que quand on regarde le Cameroun, enfin, souvent les Occidentaux regardent les Camerounais comme tous les Africains. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas Africain, mais généralement, il y a une condescendance. Quand on regarde un Africain, en noir en général, on se croit supérieur, même sans lui demander son CV. Donc quand on dit Cameroun, les gens disent, bon, c'est un pays d'Afrique. Non, c'est un pays de la mystique. C'est un triangle équilatéral. C'est un pays magique. C'est un pays où des forces antinomiques puissantes, ésotériques, se manifestent fortement. C'est un pays du char de Dieu. C'est un pays où coule l'eau et le miel. J'interdis donc que les Camerounais et d'autres Africains croient que c'est en Israël que coule le miel et le lait. Alors c'est une terre bizarre, c'est une terre qui a produit. D'ailleurs hier, j'étais avec un monsieur, un Camerounais, qui est un auditeur central à la NASA. Il va se reconnaître. Les Camerounais sont des génies partout. C'est un peuple producteur de génies à la masse, à l'appel. Mais c'est un peuple qui se neutralise parce qu'effectivement, trop de génies. Et le génie, ça gêne. Peut-être parce qu'on a ce gène-là du génie. C'est pour ça que nos activités ne cadrent pas avec la force en réalité qu'on devrait impulser dans la démocratie, l'économie, la politique, le football. Le sport n'est qu'une vitrine et le football est le noyau. Et c'est grâce au football qu'on permet aujourd'hui au monde entier de comprendre que ces gens-là sont particuliers. Ils ne jouent pas comme les Aïrois qui sont allés en 74 ou 78 à la Coupe du Monde, faire les mawashigeri. En 82, rappelez-vous, allez me réveiller Mbida Rantès, premier Africain buteur. Une minute après avoir encaissé le but contre l'Italie. Aujourd'hui, on nous parle de Neymar. C'est parce que vous n'avez pas vu jouer Docteur Abega Théophile. Il léchait le ballon. Un footballeur, docteur. Docteur en football. Donc, Eto'o a de qui tenir. Le Cameroun, c'est un peu le Brésil. Et 100 fois même mieux que le Brésil. Parce que le football que nous, on a vu jouer,
Le football que nous avons joué à Edea, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, dans toutes les petites villes, où dans chaque ville, il y a toujours un joueur exceptionnel, mais parfois qui n'a pas de chaussures. Et c'est ça aussi ta mission, Samuel. On en parle tout à l'heure dans la troisième partie. J'étais en train de démontrer comment tu es arrivé à gagner, mais d'où tu viens d'abord. En 82, donc, l'équipe du Cameroun a marqué le monde. Parce que dans les buts, vous avez Thomas Nkono. Buffon dira, je suis né, j'ai grandi dans le football, je suis devenu champion parce que mon mentor, mon père, c'est Thomas Nkono. Les Italiens disent, oh, mais un peu de racisme quand même, mais bon, le talent n'a pas de couleur. Je l'ai dit pour mon fils Kylian Mbappé, je le dis pour mon petit frère Samuel, vous êtes des étoiles, faites-nous rêver. C'était dans le stade, aujourd'hui maintenant tu es un manager, si tu as besoin de l'aide, appelle-moi. Ne me paye pas. Ne me paye pas. Appelle-moi. Parce qu'il faut encadrer cette victoire. C'est un signal fort. D'ailleurs, hier, j'ai dit que parfois Dieu est injuste. Non. Hier, j'ai dit parfois Dieu est juste. Parfois. Mais j'ai vu les commentaires, une centaine, où on dit non, les Africains sont hystériques quand on parle de Dieu, comme si non, n'ayez pas peur. C'est pas un blasphème. C'est pas moi qui ai tué Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, et j'ai mis trois points de suspension, je ne fais pas des cours de linguistique, on n'est pas à l'école ici, on n'est pas dans une faculté, mais je voulais juste vous expliquer que parfois, quand il y a les points de suspension, il y a un hiatus, ça s'appelle une césure, le parfois, je n'ai pas terminé la phrase, mais après la vraie phrase, c'est Dieu est juste. Dieu est juste parfois, parce que quand on regarde toute la misère que subit ce peuple, quand on regarde l'incapacité managériale aujourd'hui, quand on regarde ces diplômés de l'inutile, de la bêtise qui piétinent le pays, qui enterrent les forces de progrès dans ce pays, qui contrôlent la respiration, même les gens se disent non, c'est pas possible quand même. Et tout est là, et tout peut. Et il pleut aujourd'hui des larmes de joie dans les quartiers. C'est pas la victoire de tous les Camerounais en ceci qu'elle va leur changer le quotidien. Il y aura pas plus de macabo, d'igname, de tarot dans la marmite ce dimanche, mais c'est une victoire qui fait du bien au cœur, au corps, à la tête, à l'esprit, où on respire, c'est un goulot d'étranglement qui se... Et tout peut, ouais. Bravo, Samy. Bravo. Bravo, petit frère. On peut te pardonner tous tes excès. Les champions ne sont pas clairs. Aucun champion n'est propre. Un champion, c'est quelqu'un qui va très loin dans la pression, dans la passion et dans cette passion débordante. On peut lui accorder quelques dérapages. C'est pas le but. Arrêtons de nous salir. Choisissons aussi parfois le bien. Quand tu vois la vie en rose, ta vie devient rose. Moi, j'ai décidé de voir cette victoire rien qu'en rose, rien que du positif. Alors maintenant, pour le politique qui m'écoute avec une petite aigreur et le macabo dans la gorge pour certains, parce que tout homme politique, d'ailleurs comme je le suis, doit être heureux de savoir que le petit là a fait ce que nous, nous ne pouvons pas faire. Je vous ai dit qu'il a d'abord réuni toutes les forces contraires. Il a amené ses gars sur le terrain. Il a pris l'assentiment collectif du peuple. C'est des stratégies de communication. Il est allé jusqu'à influencer la barrière de la loi. Vous savez que la loi, parfois, hein, pour ceux qui ont lu Montaigne, d'esprit des lois, on va pas revenir là-dessus. Vous savez que il y a des courants qui s'opposent. On dit que la loi est bonne. On vous dit que la loi est bonne parce qu'on ne doit pas la discuter. La loi n'est pas bonne ou qu'elle soit bonne, elle est mystique. Une loi peut être mauvaise, mais elle doit être respectée.
N'est-ce pas? C'est ce que les théoriciens du droit veulent. Et c'est ça qui neutralise les États africains, parce qu'on calque les choses des Blancs là-bas, leur constitution, leur truc. On vient nous appliquer ça ici. Au Cameroun, il y a la double nationalité. Et Eto'o a prouvé dans un rapport de force populaire et forcé qu'il va passer. C'est un faux concept, la double nationalité, quand même au Cameroun. Ça pénalise les enfants qui veulent investir, ça pénalise la diaspora, ça pénalise les échanges. Il faut rentrer chez soi et prendre 1000 visas. Quand on a 1000 chantiers au Cameroun, on paye 1000 visas, 200 euros environ. Je peux vous dire que cette fortune-là serait même entrée dans un fonds de solidarité pour l'école, gratuite au nord, ou au nord-ouest, au sud-ouest. Certains vont vouloir reprocher à Eto'o de ne pas s'impliquer dans la politique politicienne, mais il n'a pas. Mais pardonnez un peu. Vous faites alors ce que vous lui reprochez. Je suis pas son avocat une fois de plus, mais je voulais vous dire que Samuel a donné une leçon de science politique à tous ceux qui se prennent pour des politiques. La vie est un rapport de force constant et permanent. Qui est en face de toi? Qui? Il pèse quoi? Il compte sur qui? Il a quoi comme force? Il s'appuie sur quel réseau? Il faut avoir autant de force. C'est le bras de fer. On dit chez moi, c'est le fer qui casse le fer. Et toi, fais cette lecture. Seydou Mbomodjia n'a pas démérité. C'est mon cousin d'ailleurs. Salut Seydou. Mais après, il fallait laisser. Il faut laisser aussi la place. Mais c'est plus fort que ça. Seydou a voulu procéder par l'intimidation avec Frambya, l'acquaintance des fils de la tétine dorée, tout ça. Et les Camerounais, même esclaves, ont très peur et sont friands des gens qui les écrasent. Vous-même, ce peuple-là, un peuple inaudible, un peuple amorphe, un peuple qui sait danser, un peuple qui ne sait que se réjouir quand le but des autres est validé, mais pas le leur. Bref, je ne fais pas le procès de ce peuple. On va rendre nos comptes, vous là. On vous attend. Donc vous aimez le changement en applaudissant Eto'o. Et vous ne voulez pas le changement quand nous on le porte. Méfiez-vous. Méfiez-vous. On n'a jamais vu un peuple aussi hypocrite. Bon, bref, Samuel donc, la théorie des forces qui s'affrontent, se choquent et s'entrechoquent. Quel est le rapport de force? C'était politique cette élection. À ceux qui ne sont pas Camerounais, ceux qui suivent ce direct ce matin doivent comprendre que le football n'est pas politique seulement, il est ésotérique. Au Cameroun, le football est une religion. Si on a une seule religion, c'est ça. Si on peut avoir une seule religion, ce n'est que le football. C'est pour ça qu'on y met les organes. Et Eto'o a mis les organes. Niveau sécuritaire, il est allé voir en haut lieu aussi les gens qui commentent, ceux qui ont la sécurité du pays. On va pas les nommer. Et toi aussi, allez se filmer avec le fils du chef de l'État. Puisque le chef de l'État, c'est notre papa. Faut le soulever, non. Il est au village. Et les petites forces de Yaoundé là commencent à s'accaparer du pays. Et toi, compris? C'était de l'intimidation. Et toi est aussi allé faire la photo avec son fils du président. À chacun son fils de président. Et les fils qu'on méprise, comme Junior Biya, qui ne sont pas. Peut-être, voilà. C'est les fils qui portent souvent chance. Donc, Eto'o a allé voir ce côté. Pour casser la force, il faut la force. Eto'o s'est aussi assuré de la force de la communication, de son réseau à l'international. Il a fait jouer Lionel Messi et tous ses autres amis, les Didier Drogba, pour dire c'est votre candidature aussi. Il est allé au Qatar, il a affronté, il a vu, il a fait le tour du monde pour présenter sa candidature. Oui, c'est un poids. Il est parti au siège de la Fédération de football, le siège de toutes les magouilles, pour leur dire, laissez passer, arrêtez. Et Eto'o est revenu sur place. Et là, c'est le clou. Il est allé voir son père, Joseph-Antoine Bell. Bell qui l'a amené chez Nyodok, qui sont allés chez. Les ancêtres, vous savez que je suis dans la tradition ce qu'on appelle un bombok, un pépé. Et c'est la forme la plus aboutie d'un bombok d'ailleurs. Et Eto'o était avec les pépé, les bombok. Et c'est là où la mystique africaine a un pouvoir. Faut pas croire.
Si vous ne croyez pas en vos écorces, en vos égrégores, c'est votre histoire. Nous sommes dimanche, Dieu est témoin et nous a tout donné sur place. Et ses ancêtres nous ont donné des savoirs acquis, accumulés, que nous dispersons aujourd'hui. Mais Samuel est allé. Dans la tradition, c'est très important. Ça s'appelle Ebabangdombok. On lui a donné du pouvoir. On a regroupé toutes les forces mystiques. Tout est mystique dans la vie. Allez regarder bien cette vidéo. Tout a été clair. Personne ne peut affronter Samuel sur ce domaine. Mais là où il y a un bémol, c'est que cette mystique africaine ne nous sert pas à faire décoller l'avion. Je sais de quoi je parle. C'est un roi qui vous parle. Cette mystique africaine, le jour où on va trouver la formule pour que la mystique africaine fasse décoller l'avion, la fusée, donne de l'énergie, amène l'éducation. Quand on va mettre cette mystique au service du bien commun et du commun, on sera très dangereux. Parce qu'on est mystique. Tout ce qui a été prédit, c'était la bénédiction pour Samuel. Et à partir de cet instant, tout a changé autour de lui. Les ralliements. Maintenant, on reste dans la stratégie politique. Et tout, c'est l'art du consensus. On le disait clivant à l'équipe nationale, le capitaine. Non, non, non. Arrêtons. Et tout est très intelligent. Il a fait ce que aucune opposition n'arrive à faire. Ce que nous demandons depuis une vingtaine d'années, la coalition. Il a appelé Mabouankessak, il a appelé Niamsi, il a appelé Tagou, il a appelé Njitap. Il a appelé, il a supplié, il a négocié. Et quand j'ai vu Roger Mila donner son quitus, j'ai compris que le coquille est cuit pour le camp adverse. Donc la force de Samuel, c'est d'avoir compris les forces politiques, les enjeux, les forces en présence et les stratégies maintenant de management. Il fallait neutraliser le camp parce que Mbombo-Ndioya, c'est l'enfant. C'est le régime, c'est le système. Chacun se revendique du système comme les Camerounais. Chaque Camerounais a un commissaire qu'il connaît, un colonel qui est son frère, un cousin qui est ministre, une tante qui est au ministère, un oncle sous-préfet. Donc nous tous, on se plaint d'un système qui nous nourrit tous. Même beaucoup sont venus en Europe grâce au passeport d'un grand frère qui allait à la délégation, un visa. Il y a toujours quelqu'un. C'est quand le Camerounais est... heureux que vous constatez qu'il y a toujours quelqu'un derrière un Camerounais. Donc, et toi aussi s'est servi de ses forces et il a dit, mais tu ne vas pas me neutraliser, on parle de football, mais si tu veux sortir en dehors du football, on va le faire. Rallier à sa cause tous les footballeurs. D'ailleurs, c'eût été quand même décevant que les footballeurs n'aient pas saisi l'opportunité de prendre leur pouvoir. Ils disent tout le temps qu'ils se sentent exclus, les footballeurs n'existent pas, les footballeurs, le football aux footballeurs. Voilà. Parfois c'est bien. Et parfois, je le répète, Dieu est juste. Bravo Samuel. Akeva, tu mérites. Deuxième chose, et non des moindres, Eto est solitaire. Tous les champions sont solitaires. J'ai finalisé l'écrit de mon dernier ouvrage. Je peux vous dire que j'étais solitaire. Je dormais pas. J'étais seul. Les périodes de doute et de méditation. Regardez bien la journée d'hier. Eto a gagné sa victoire, j'allais dire, au forceps et seul. Laissons les systèmes à côté. Le système a dit, il n'y a pas de système au Cameroun. Si tu n'es pas courageux, tu perds. Eto, dès l'entrée, a bloqué. Le haut magistral, hors échelle, Schlick, l'homme qui arrête tous les ministres, l'homme qui est inflexible. C'est un magistrat de très haut vol, je ne fais pas son procès, il a été d'une sérénité, d'un calme. Mais Eto lui a dit, père, si tu veux m'embêter, c'est que tu es sorcier. Et ça ne peut pas passer. Ce bagout-là, c'est ça qu'on appelle prendre son destin. Mais il faut arracher. Si Eto était venu en se contentant d'être Eto, Pichichi, machin, chouette, il ne serait jamais passé. Parce que le Cameroun, parfois, n'a pas de logique. Une élection avec 74 votants, il y avait 200 personnes dans la salle, dans ces gandouras, dans ces trucs, il peut toujours avoir de la fraude qui est notre pain commun.
Eto a sécurisé son vote. Un, les politiciens n'arrivent jamais à s'entendre. Chacun est le plus beau. Deux, personne ne veut sécuriser le vote. Vous votez, vous allez dormir, vous laissez les gens sans scrutateur. Quand il y a une élection au Cameroun, regardez le pays. Le Cameroun a plus de 400 000 bureaux de vote. Les gens ne sécurisent pas leur propre vote. Il y a moins d'un bureau sur 50 qui est couvert. Et tu vas te coucher chez toi en espérant que le sous-préfet qui est payé par Bia va voir un truc passer et te laisser. Toi qui n'es même pas venu mettre le rapport de force. D'ailleurs, il y a un qui est spécialiste des bidons d'huile et de pétrole et d'essence. Ah, ce pays ici. Donc, Samuel Eto'o nous a apporté cette force. Samuel Eto'o a décidé de lutter pour sécuriser son vote. Il faut affronter la fraude. Elle est massive dans tous les pays. En Afrique encore, c'est officiel. Maintenant, c'est la force en présence, c'est l'énergie que tu dégages. Et il n'a jamais douté. Et rien que pour ça, il mérite qu'on lui dise bravo, parce que ça va donner matière à réfléchir. Il y a jurisprudence toujours. Deuxième chose et troisième après, c'est que le vote, c'est une personne. C'est le courage qu'on prend. C'est la force, la détermination, l'engagement. On ne fait pas à moitié. On gagne ou on meurt. On gagne ou on meurt. Quand on ne peut pas gagner, on n'y va pas. Mais quand on y va, c'est pour gagner. Et on fait tout pour gagner. Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Hein, à condition qu'il y ait voilà, du grabuge, du sang, de tout ça, la violence. Mais tous les moyens sont bons. Il y avait une violence hier, une tension dans la salle, mais elle était nécessaire pour maintenir les esprits, pour alerter. Deuxième catégorie de la vision politique de Samuel, les médias. On va saluer tous les médias qui ont joué le jeu, la chaîne nationale, la CRTV, la retransmission en direct. Pourvu qu'elle continue, cette retransmission, quand il y aura des vrais autres enjeux. Nous ne sommes qu'au football. Faut pas que quand arrive la politique, on devient amnésique. Nous devons aller vers ce visage-là. Le monde entier a apprécié. Il faudrait qu'on s'habitue à vivre comme ça désormais. L'habitude est une seconde nature. Mais c'est à la population, au peuple, de sécuriser cette volonté de transparence. On a vu les urnes qui n'étaient pas en bois. Transparentes, les urnes. Maintenant, la retransmission en direct. Grâce à la CRTV, la chaîne nationale, a permis aux uns aux autres de vivre l'événement en direct. Il n'y a pas de fraude possible pour une élection de 74 votants. Un bulletin unique, une enveloppe, l'urne, et on décompte officiellement. Ça peut se faire dans la suite des élections municipales, législatives, whatever, présidentielles. Nous devons donc désormais veiller. Chaque élection doit être maintenant comme ça. Ça doit devenir notre culture. La culture de la transparence, la culture de la bienséance, la culture de la modernité. C'est comme ça. Sinon, pourquoi les jeunes vont encore venir en Allemagne, au Canada, en France, si vous faites ça chez vous? Les gens s'échappent parce qu'ils sont dans un goulot d'étranglement moyenâgeux, alors qu'il suffit juste d'une volonté pour moderniser. Bravo Samuel, c'est grâce à toi. Là où tu as fait mieux que tes pères, Bel Joseph Antoine qui s'est essayé, le très grand Bel Joseph Antoine, c'est que Bel n'avait pas aussi la souplesse de la poche. Là, on se comprend. Bel n'avait pas aussi cette capacité managériale à fédérer. Bel n'a pas permis, Bel qui a toutes les compétences pour être
champion, évidemment, même en dehors, qui est un manager, un intellectuel. Bell a un côté assez égoïste qui ne lui a pas permis d'aller casser, d'aller contraindre ses pairs. Et puis, entre les footballeurs d'une même génération, généralement, il y a une petite tension. Bell a été souvent lâché au profit des minables technocrates qui n'ont pas la mesure même de son talent. Et toi, corriger cette erreur. Il était avec Ndjitab Fosso Sorel, autre grand joueur, autre légende. Il était avec Kameni, il était avec Mabouan, il était avec, il était avec. Bref. Bravo Samuel Eto'o. Maintenant, restons dans du beau, du bon, du bien. Samuel, tu as montré aussi que tu as compris ce que les Camerounais attendent. Pour le football, je n'ai rien à te dire. Tu sais ce qu'il faut faire. Des championnats des jeunes, la détection des talents, l'organisation d'une vraie ligue, la professionnalisation du football, le sponsoring. Tes amis sont milliardaires à travers le monde, ils peuvent amener les dollars du Qatar, vous créer des stades, tout ça là. L'État n'est pas obligé de construire des stades dans un pays. Ici en France, quand vous allez même en Allemagne, l'Allianz Arena, Allianz, hein, c'est des équipes, c'est des sociétés qui créent, qui font, qui financent. C'est pas l'État, c'est pas l'État. Bref, et un peu de transparence, je sais qu'un champion n'est pas un tricheur. Si tu n'as pas triché pendant que tu jouais, c'est pas maintenant qu'il n'y a rien que tu vas commencer une carrière de tricheur. Pour le football demain et pour l'équipe nationale, immixe-toi davantage, mais pourvu que ce soit du beau. On ne veut plus voir des joueurs qui jouent en Azerbaïdjan, jouer à l'équipe de Mbidarantès. C'est pas possible. Quand vous regardez l'équipe de France, seul le talent prime. Il y a même des meilleurs, des meilleurs. Il y a 10 joueurs à un même poste. Et on prend deux. Il n'y a pas d'état d'âme. On ne peut pas prendre tous les joueurs que le championnat de France a rejetés. On ne peut pas prendre tous les joueurs que le championnat bulgare a rejetés. Le Cameroun n'est pas le recyclage des agents véreux qui tournent là avec des joueurs aux grosses têtes et aux gros mollets. On compte sur toi. On est fatigué de voir la médiocrité dans ce stade. Parce que les Lions Indomptables, c'est une équipe. C'est la seule équipe au monde, d'ailleurs, avec le Brésil, qui pouvait aligner dans le 11 entrant 11 génies. Ai-je besoin de les citer? Déjà, au poste de gardien de but, vous regardez déjà le casting du Cameroun. Thomas Nkono, Bell Joseph Antoine et Songo. Les deux autres, ça dépendait, étaient remplaçants. Songo, meilleur gardien de France. Songo, meilleur gardien. Thomas Nkono, meilleur gardien d'Espagne et d'Europe. Bell Joseph Antoine, meilleur gardien de France et d'Europe et d'Afrique. Donc, on avait déjà, rien que pour les gardiens, quand vous avez déjà ce casting, et quand vous avez un milieu de terrain avec Mbida et Abega, ça c'est pour les nostalgiques, hein. Ça ne se trouve pas dans le monde. Ça ne se trouve pas. Peut-être aujourd'hui au PSG, Messi, Mbappé, Neymar, ou à l'époque, voilà, ou Ronaldo, je sais pas. Mais ça ne se... le Cameroun était donc ce pays-là qui veut redevenir ce pays-là. Samuel a les capacités d'aller créer et d'aller détecter ces jeunes. C'est ta mission. Donc finis la filouterie, si on te laisse. Voilà un peu mon message aujourd'hui à Samuel Eto'o. Aucun reproche, juste des bisous de bonheur, juste de la bienséance, c'est dimanche, juste de la bienveillance, juste aussi les bénédictions pour que tu réussisses enfin là où nous, on a échoué. Et on peut commencer un changement par le football, par les pieds. Avant que ça n'arrive à la tête. J'eus vraiment aimé que ce fût par la tête. Mais il n'y a pas de petit changement. Il n'y a pas de petite révolution.
Le peuple t'attendait, le peuple t'a donné les armes. Je sais qu'ils vont commencer à vouloir visser, à fermer, mais les Camerounais ont compris désormais que c'est le rapport de force qui est un rapport. Par rapport à la situation qui se présente, c'est le rapport de force. N'ayez pas peur d'utiliser votre force intellectuelle, mentale, psychologique pour gagner. Et en plus, cette lettre à Samuel Eto'o, c'était pour te dire bravo, merci, de manière la plus désintéressée possible. S'il y avait un courtisan qui ne viendrait pas vers toi, ce serait moi. Parce que dans la cour des courtisans, il y a beaucoup de médisants. Et c'est toi qui dois être à notre service maintenant. On va te suivre, on va t'encadrer. Tu as envoyé un signal fort à ceux qui croient que c'est pas possible. Désormais, dites oui, c'est possible. Bravo Samuel. C'était le guide d'un pépé. Il fallait que je te fasse ce message. Il fallait que je dise aussi aux Camerounais que chaque peuple a ses messies dans tous les domaines. Allez les fouiller. Donnez-leur le courage de vous libérer de vos prisons, de vos chaînes, de vos peurs, de vos démissions, de vos fuites. Et c'est comme ça qu'on accède à ce qu'on appelle, et je le dis tout le temps ici, la grande autonomie existentielle. Bravo Samuel. Bon dimanche. Je vous aime. C'est le guide MPP.